Hello guys, welcome back to Language Power. Today we're going to continue talking about English pronunciation from A to Z. But today we start with part 11, the letter K. Let's go guys. Remember, no time to lose, time is gold. Practice makes perfect. English pronunciation, letter K. Je dis à nous pour parler de prononciation anglaise, nous continuons à parler de prononciation anglaise, mais je dis à nous en partie 11, qui c'est lettre K. Eh bien, lettre K, ça, en anglais, les prononcer K, K, K. OK? Lettre K, prononcer K, K. Hoy, les voy a hablar sobre la lettre K, que tiene una pronunciación en español como en inglés, k, k, k. Es la parte 11 de la pronunciación de, C, de A a Z. ¿Ok? Para empezar, hay tres maneras para pronunciar la letra K. There are three ways to pronounce the letter K. Gagne trois façons nous capable prononcer lettre K ça. Dans alphabet là nous dit K. Ouais, K. Lettre ça prononcer K dans alphabet anglais. OK, en abécédario, la lettre K suena comme K. K. Mais la prononciation, eh bien nous joignons lettre K ça qui c'est K. Numéro 1. Nous toujours prononcer lettre K ça comme K. K. L'essayon voiceless sound. OK, K is a voiceless sound. Ça veut dire l'essayon son qui pas gagner voix. OK, c'est un sonido sin vocal, sin voz. Quand está pronunciando esta letra qui c'est K, K, K. OK? Por ejemplo, en la palabra qui, ouais, k, qui, qui, et la parabla kid, kid, la parabla kind, kind, et nan mot qui, ouais, k, k, qui, et nous jouons le mot kid, kid, et nous jouons le mot kind, kind, ouais, son k, k, ok? Deuxièmement, nous gagnons ces cas. Lorsque vous jouez à la fin un mot, eh bien, il y a toujours gagné son k, 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 ck. Quand on encuentra la lettre c, la lettre c, k, al final de una palabra, tiene un sonido k, k. Exemple, vous gagnez pick, ouais, pick, pick, pack, cake. Cake, cake, et puis check, 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 and back. Tenemos la palabra pick, pack, cake, check, and back. OK? Nous jouons son k, k. OK? Et dans mot qui termine par k, e, et bien, toujours gagnons son. En las palabras que terminan con K, E, con K y la letra E, cuando tenemos lo que se llama la E mágico, eh bien, suena como K, K. Los que no tienen un mot termine par K, E, los que E, c'est un E mágico, la leçon nous te fait avant, eh bien, nous dit, si tienen un son K, K, K. Exemple, nous gagnons bike, bike, lake, cake. Ouais. Bike, lake, cake. Troisièmement, nous gagnons ça qui est K silent. Ou silent K. Silent K. Quand la lettre K, la lettre K, nous suena et se llama silencio K.
Ba nou sa ver, nou genye mo sa, loske ou jwen let ka sa, devan yon let n, ebyen ka pa prononse. An anglè, a chak fwa ki ou renkontre let ka sa, devan yon n, let ka sa pa prononse. Kando se encuentra la letra k derante ou ante ou alante de una e consonante n, la k no suena. Ejemplo, tenemos ni, ni, ok? Tenemos ni, y tenemos knife, knife, no, el verbo no, y night, etc. Nous gagnons le mot ni, ni, et nous gagnons le mot knife, nous gagnons le mot no, qui c'est le verbe to know, et nous gagnons night, night, and so on. Dans le mot ça, lorsqu'on joue un K ou joue un N, et bien pour cette raison, la lettre K nous souvient lettre K li silence, on dit silent K. Ok? Et puis, nous jouons silence, qu'est-ce encore le silence? C'est le dans commencement. Parfois, je dis dans commencement un mot, et puis à la fin. Et à la fin un mot, eh bien, li pas sonné. Li pas sonné dans commencement mois, et puis dans fin mois, li sonné comme k, k. Nous gagnons deux mots en bas, nous gagnons knock, knock, et puis nous gagnons knack, knock, knack. Knock, na. A veces se encuentra esa letra en el comienzo de la palabra y al final se encuentra esa misma letra y no suena cuando empieza la palabra y suena como k, k, al final de esa palabra. Como ejemplo, tenemos knock, knack. Knock, knack. Guys, let's move. Don't waste time. No time to lose. Time is gold. Practice makes perfect. Don't forget to subscribe, share, and like. And leave your comment. See you next time.